Bonjour les enfants. Le défi cette semaine s'adresse plus particulièrement peut-être aux grands, même si toute la famille peut aider évidemment. C'est beaucoup mieux quand tout le monde cherche. Il va concerner les abécédaires, c'est-à-dire la totalité des lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. W, X, Y et Z. Elles sont en noir sur cet abécédaire que je vous montre. Donc si vous avez regardé la petite vidéo que je vous ai demandé de regarder avant, sur la boîte à outils de Rascal, vous avez vu que l'illustrateur s'est amusé à regarder des objets différemment pour y voir des formes de lettres. Donc moi j'ai un petit peu essayé de faire ça dans ma maison. Et j'ai un petit peu trouvé certaines lettres, mais c'est difficile. C'est pour ça que je propose qu'on va chercher tous ensemble et peut-être qu'on arrivera tous ensemble à trouver les 26 lettres. Pour le A, j'ai trouvé ce qui sert les feuilles dans mon classeur. Pour le B, bon, une paire de lunettes de soleil. Pour le C, un bracelet. Pour le D, un outil de géométrie. Ou bien des grelots. Le E, le jouet de mon chat dans les arêtes. Pour le F, j'ai rien trouvé. Le G, une sorte de zigouille en plastique. H, I, J, K, pas trouvé. L, sorte d'attache d'étagère. Ça m'a fait mon L. M, rien du tout. Le N, un casse-noix. Le O, un couvercle de boîte. P, j'ai rien trouvé. Q, j'ai rien trouvé. R, j'ai rien trouvé. S, un lacet. T, c'est une clé, un instrument pour remonter un instrument de musique. Le U, un diapason, ça sert à faire la note, à donner le la. V, c'est un presse-aille. Le W, deux pinces à linge. Le X, un dessous de plat. Le Y, un petit outil qui sert à faire des petites tranchettes de fromage. Et le Z, je n'ai pas trouvé. Donc c'est à vous. Aidez-nous à réaliser l'abécédaire d'objets de la maternelle Colucci. À vos photos, à votre imagination, il faut chercher dans la maison, dans l'appartement. Je suis sûre qu'on va y arriver. Allez, à bientôt. Envoyez-nous vos photos sur le mail de l'école.